Sur celle-là, cette note, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est en cours. Qu'est-ce, en quoi vous ne paraît pas finie? Elle n'est pas finie parce que elle est. En fait, cette tête, moi, je la sens depuis le début comme une petite. C'est comme un œuf. C'est comme une chose complètement dense, complètement. Il faut qu'il n'y ait rien qui sorte. Il faut qu'il n'y ait rien qui sorte de ce. De cette boule, presque rien. Il faut qu'elle soit le plus simple possible. Et là, pour moi, elle est encore trop. Elle est trop compliquée, trop heurtée. Je veux le plus possible la densifier. Et que ce soit plus une tête. C'est aussi pour ça que je la fais entière. Pour que ce soit plus une tête? Oui. Pour que ce soit plus du tout une tête, quoi. Là, elle me gêne encore. Elle est trop compliquée. Elle est trop heurtée. J'ai besoin que ça coule de partout, que ça s'arrête nulle part, que ça soit complètement. Mais faire une tête, c'est une drôle d'idée. Hein. Parce qu'en plus, une tête, ça, on a beaucoup plus d'idées que c'est une tête qu'avec un corps. C'est beaucoup plus présent. Donc il faut être encore beaucoup plus. On est obligé d'aller beaucoup plus loin pour que cette idée tête disparaisse. On est obligé de pousser très très loin. Ça c'est drôle parce que moi au début je trouvais ça angoissant comme sculpture. Mais en fait, c'est pas angoissant, vous me dites. Je sais pas, peut-être pour vous. Je sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est angoissant, mais c'est en suspens. C'est-à-dire, c'est pas comme une affirmation. Ça reste un peu. Et pour moi aussi, ça reste un peu comme ça. Et pourquoi vous trouviez ça angoissant? Ben, c'est ce que je vous disais, moi j'avais l'impression que c'était quelque chose qui se décomposait. Moi j'ai jamais pensé à ça, non. Jamais. Enfin, j'ai jamais eu la volonté de faire quelque chose qui se décompose ou qui. Enfin, il n'y a jamais eu d'idée comme ça chez moi. Ouais, parce que moi j'avais l'impression que c'était. Il en reste de moins en moins. Quoi, et on. Oui, j'ai jamais pensé à ça. C'est comme la fragmentation, ça, j'y pense pas non plus. Je pense pas à corps déchiqueté, jamais. Je pense à corps. Je pense à plénitude des choses, mais sur la voie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de partir d'un corps, mais il n'y a pas. Moi, je ne tiens pas forcément à faire un corps. Si tout d'un coup ça devient illisible, ça ne me gêne pas du tout. Si on ne le lit pas du tout. Par exemple, les tableaux de ces tableaux-là, je crois qu'on les lit presque pas. Pourtant, pour moi, je suis parti je suis parti d'une chose très réelle. Hein. Je suis parti d'un personnage qui monte sur une échelle. On le lit très peu. Non? Oui. Vous ne le lisez pas? Non. Pratiquement pas? Non. Ben, ça ne me gêne pas. Ça vous plaît qu'on ne le lise pas ou... Oui, plutôt. En tout cas, ça ne me dérange pas. Cela dit, on le lirait, ça ne me gênerait pas non plus. Je veux dire que pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas du tout important. Qu'on le lise ou qu'on le lise pas? Non. Ça n'a aucune importance pour moi. Alors, qu'est-ce qui a de l'importance? Ce qui a de l'importance, c'est c'est la manière dont, dont telle forme va se déployer dans l'espace, dont le modelé va se déployer. C'est ça qui fait, c'est
ça qui fait sens, c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui est expressif. Si on le lit ou si on le lit pas, de toute manière, le modèle ou le sujet, ça reste un prétexte, c'est tout. Dans une méthode classique, si vous faites une sculpture, ben vous faites l'ensemble dès le départ, d'une manière floue, d'une manière inexacte, et puis petit à petit, vous la travaillez. Ça, c'est comme ça qu'on fait tous les sculpteurs. Donc vous avez l'ensemble au départ, et vous allez vers le fragment petit à petit. Moi, je ne sens pas de faire comme ça, je peux le faire, mais ça n'aura pas de résonance avec moi, c'est-à-dire je ne sentirai plus rien. Donc moi, je suis obligé, je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligé de partir d'un morceau dans l'espace et de progresser sans savoir où on va. C'est-à-dire de partir du morceau pour aller vers la totalité. Et la totalité, pour moi, si la totalité, je la crée au début, elle sera fausse. Donc je vais être esclave de quelque chose qui est faux. Mais partir du fragment, ça doit... À chaque fois, on doit se dire qu'on en rajoute trop. C'est-à-dire qu'en partant du fragment, le problème, c'est que forcément, l'idée, c'est d'arriver à une totalité. Alors, vous mettez un fragment, forcément, le fragment d'à côté va faire que le premier est mauvais, le troisième, que les deux premiers sont mauvais, et ainsi de suite. Donc, vous êtes obligé tout le temps de tout reprendre à zéro. Mais moi, je préfère être obligé de tout reprendre à zéro plutôt que de partir... dans une chose vague que je ne vais pas sentir. Parce que si je fais un ensemble, il est forcément vague. Alors que si je pars d'un fragment, il est peut-être faux, mais il est précis. Donc je préfère être dans une chose fausse, mais que je peux guider, que je peux sentir, que d'une chose approximative qui va correspondre à rien pour moi. Puis qui en plus va être figurative. Enfin, Surtout si vous faites une tête ou si vous faites un personnage, si vous faites l'ensemble, vous avez votre personnage. Et ça m'embête. Ça va m'embêter beaucoup. Donc je veux... C'est une manière aussi de faire abstraction complètement du personnage, la manière dont je m'y prends. Je le vois pas, en fait. Je le regarde pas. Je regarde que comment le modelé se produit.
pourquoi leur a choisi de faire des personnages? Ben ça, je sais pas, c'est parce que... c'est la seule chose qui m'a toujours intéressé, de faire des personnages. Je pense que c'est le seul sujet pour moi. Je vois pas d'autres sujets. Mais je sais pas pourquoi. Vous voulez faire quelque chose, par exemple, et puis vous le travaillez, et puis vous n'y arrivez pas, et vous continuez à le travailler, tout ça. Vous savez pas exactement pourquoi, mais il y a forcément quelque chose qui vous fait faire tout ça. C'est-à-dire, quand vous travaillez, vous savez pas pourquoi vous enlevez un endroit ou vous remettez un endroit. Vous faites ça par rapport à une vision interne, mais vous savez pas pourquoi elle est comme ça. En réalité, vous y êtes beaucoup plus soumis qu'autre chose. Vous ne pouvez pas faire autrement. Enfin, moi, je ne peux pas faire autrement. Ce qu'on disait tout à l'heure avec ma tête, je ne peux pas faire autrement que de la continuer. Pour moi, c'est émouvant ce que je veux faire. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait faire tout ça, c'est que j'en ai la vision. J'ai une vision de la chose que je veux faire. Avant tout, avant de faire poser quelqu'un, avant de... Je veux dire, c'est pas le modèle qui va me... Je regarde pas un modèle en me disant, tiens, ça, c'est intéressant. Jamais. J'ai la vision de ce que je veux faire, et après, j'utilise le modèle, mais pour au service de mon idée. C'est-à-dire, quelque part, le modèle, je le plie aussi. Comme je plie le matériau, le modèle, il fait partie presque de ce matériau. Il est là pour habiller mon idée. Mais mon idée, pour moi, effectivement, elle est émouvante. Moi, elle me plaît beaucoup. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'essaye de la faire tout le temps. Parce que c'est ça la racine pour moi. Je la vois avant même de commencer. Mais je la vois pas d'une manière visuelle. J'en ai un pressentiment de ce que ça peut être.